Good morgen, allez, Eden le sucera aujourd'hui. Leilou Nishmat, Richard Aaron, Ben Fortuné Mazal, ainsi que l'Irfouat. Hanale Abad Gitel Devra, Sarabat Nechama et Efrat Bat Sarabat Orchak Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, convaincu de sa communauté éternelle. Nous étudions Maserhet Shkalim, Perigvet Mishnah Alef. Metzarfin Shkalim le Darkonot Mipene Masoya Derech. Keshem Shayou Shofarot Bamigdash. Kachayou Shofarot Bamedina. Bne Ha'ir Sheshalchouet Shiklen, Venignevo Oshe Avdou. אם נתרמה התרומה, נשבעין לגזברים. ואם לאו, נשבעין לבני העיר, ובני העיר שוקלים תחתיהן, נמצאו אור שהחזירו מגנבים, אלו ואלו שקלים, ואין עולים להן לשנה הבאה. On continue l'évolution chronologique des shkalim. Première Mishnah, c'est premier Perek, c'était combien cotiser, où cotiser. On avait appris que dans toutes les villes, on mettait là-bas des caisses dans lesquelles on rassemblait les shkalim, après on commençait à les transporter à Yerushalayim. Depuis notre Mishnah, maintenant, on va commencer à s'intéresser sur la route des dégâts qui peuvent se passer sur la route où on apporte les shkalim jusqu'à Yerushalayim. Et la Mishnah commence à me dire « Metzarfin shkalim le darkonot » On pourra rassembler, réunir les tsaref rajouret, les shkalim, pour en faire des darkonot. Les shkalim, c'est des petites pièces, en fait, de 9,6 grammes d'argent, puisqu'on le donne tous les ans, pour les Sfaradim, essentiellement. Et donc, les Shkalim, on peut maintenant imaginer qu'on a toute la ville, on habite très loin d'ici, et on était une ville avec 100 000 habitants. Du coup, on a notre pauvre Chaliar, notre pauvre émissaire qui va transporter tous ces Shkalim jusqu'à Yerushalayim, il va devoir porter des kilos d'argent. C'est énorme. Alors, la Mishnah nous dit, tu sais, tu as le droit aussi de les changer en Darkonot. Darkonot, c'est des pièces d'or. D'accord? Du coup, grâce à tes darkonotes, donc ça va faire moins de poids, bien sûr, tu as le droit de le faire. Même si concrètement, il faut bien réaliser qu'il va y avoir une certaine petite perte par rapport au change. Malgré tout, la Mishnah nous dit, tu as le droit de le faire. On reverra ça, la notion des darkonotes, des pièces d'or, beaucoup plus tard dans les prakim qui viendront. On découvrira encore quelque chose, on les reverra apparaître en fait dans la suite. D'accord? Donc, je traduis, Metzarfin Shkalim, on réunit des Shkalim pour les... On fait de la monnaie, enfin le contraire de faire de la monnaie, c'est plutôt, on les concentre sur des grosses pièces, des darkonotes, des darkonotes qui sont des pièces d'or, ipene masoya derer, à cause du poids du transport. Ok? Keshem sheayu shofarot bamigdash, kach ayu shofarot bamedina. La Mishnah m'enseigne maintenant, sache qu'au même titre qu'il y avait des shofarot au migdash, un shofar, c'est concrètement une boîte, une tirelire, qui est en forme de cône, comme un chauffard. D'accord? D'ailleurs, c'est un peu intéressant qu'aujourd'hui, on dit qu'on va faire un keren, un fond de récolte, ça se dit un keren, j'imagine que ça doit être de la même origine. Pourquoi est-ce qu'on met l'argent dans un chauffard, dans une forme de cône? Comme ça, il y a une petite ouverture en haut, et ça va en s'élargissant, c'est haut et profond, et en dessous, c'est bien fermé, bien sûr, donc du coup, on ne peut plus récupérer l'argent qu'on a mis. C'est ça le principe, c'est pour ça qu'on met l'argent dans des chauffards en fait. C'est une boîte qui s'appelle un chauffard parce qu'elle est en forme de cône, d'accord? Donc autant qu'il y avait des chauffarotes pour pouvoir, des tirelires, pour mettre l'argent au Beth Amikdash, il y avait aussi des tirelires qu'on mettait Ben Medina dans le pays, et il y en avait deux en fait, c'est précisé dans la Gemara. Un pour ceux qui devaient payer pour cette année, et ceux qui n'avaient pas payé l'année dernière, ils pouvaient encore se rattraper et mettre dans le chauffard, d'accord? La Mishnah continue en me disant maintenant, Bnei Haïr, c'est un peu une parenthèse qui n'a pas tellement de rapport avec le reste de la Mishnah, c'est une notion qu'on a déjà parlé plus haut. Quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est en plein milieu comme ça, mais c'est pas grave, on avance. Bnei Haïr Sheshalchou et Chiklein, Venignevu Oshéavdou. Situation originale maintenant, on a les Bnei Haïr, les habitants de la ville, Sheshalchou et Chiklein, ils ont envoyé leur shekel par un intermédiaire, par un sémien, d'accord, un émissaire, Venignevu Oshéavdou, et le pauvre. Sur la route, il s'est fait dépouiller, ou bien il les a perdus, en passant dessus d'un pont, il a trébuché, hop hop, il a perdu tout l'argent. Alors maintenant, premièrement, il n'est pas fautif. On parle d'un cas où il n'est pas fautif, mais vous savez bien que si je confie quelque chose à garder à quelqu'un, et que chacun selon son niveau, c'est le chemin rinam, chemin sahar, il devra malgré tout jurer qu'il n'a pas manqué à son devoir, il a bien gardé, que malgré tout, il y a eu un accident. Et dans ce cas-là, j'encaisse la perte. D'accord? C'est le principe. Maintenant, la Mishnah, elle va rentrer dans deux cas de figure.
Il y a deux situations. Imnitrema Touma, si la Touma au Beth Amikdash, elle a déjà été prélevée, on va expliquer c'est quoi, c'est une notion très importante dans Shkalim, qu'on verra très longuement ensuite. Alors, Nishbaïn la Gizbarin, l'émissaire devra jurer au trésorier du Beth Amikdash, au Gizbar. Tandis que Ve'im Lav, mais si la Touma du Beth Amikdash n'a pas encore été prélevée, alors dans ce cas-là, Nishbaïn les Bnéhaïr, ils devront, le chômeur, le gardien qui a perdu l'argent, Nishbaïn les Bnéhaïr, devront jurer aux habitants de la ville, ou Bnéhaïr, Shoklin Tartéen, et les habitants de la ville redonneront une deuxième fois le Mahatita Shekel. Et la Mishnah continue après, je fais une petite pause d'abord pour expliquer de quoi on parle. Le cas classique, d'abord, c'est qu'on envoie à l'émissaire et que l'émissaire perd l'argent. Il s'avère que moi, mon devoir, c'était pas de donner l'argent à un émissaire. C'est donné de l'argent au Beth Amikdash. Si mon argent n'a pas atteint le Beth Amikdash, je vous devais 100 shekels. Je l'ai envoyé par quelqu'un, il a perdu en route. Alors quoi? Je vous dois encore 100 shekels. S'il est fautif, le chaliach, l'émissaire, alors il devra payer. Mais s'il n'est pas fautif, il va jurer qu'il n'a pas fauté, il n'a pas failli. Il a rien, il a fait son devoir, il a bien gardé comme il fallait, il s'est fait dépouiller. Tant pis pour lui, tant pis pour nous. Et je dois repayer une deuxième fois parce que je vous dois de l'argent. Il n'y a pas de raison que vous allez encaisser la perte. Même principe avec le Beth Amikdash. Je dois de l'argent au Beth Amikdash. Je dois lui donner le Mahatita Shekel, j'ai envoyé, ça s'est mal passé, ben je dois encore payer. Ça c'est le cas classique, c'est la suite de la Mishnah. Mais il y a malgré tout une situation particulière, c'est ce qu'on appelle le Nitrema Hatouma. Au Beth Amikdash, on a déjà prélevé. Alors là, il va falloir vous projeter dans ce qui va se passer dans les prochains chapitres, pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe. Tout l'argent, il arrive, tous les émissaires arrivent de toutes les directions, de toutes les villes d'Israël. Ils arrivent au Beth Amikdash, on va le mettre dans la Lishka, il y a un endroit où on va récolter tout l'argent. Une fois qu'on a récupéré l'argent, alors il va y avoir maintenant un Kohen qui va venir et qui va ramasser, il va être mafriche, il va prendre un gros seau, trois seaux même, on verra. Il va prélever de l'argent, qu'avec cet argent qu'il a rempli dans le seau, on va acheter les korbanot à partir de Rosh Chodesh Nissan pour la suite, d'accord? Maintenant, comme ça, de manière à ce que maintenant, on va commencer Rosh Chodesh Nissan, c'est la nouvelle année pour les korbanot, il faut prélever avec le nouvel argent. Maintenant, il s'avère que le premier Nissan, pas tous les argents d'Israël sont déjà arrivés. C'est vrai que ceux qui habitent autour de Jérusalem, ils ont déjà envoyé. Ceux qui habitent un peu plus loin, c'est encore en route. Ceux qui habitent très loin, ils sont encore à des semaines d'y arriver. D'accord? Bah alors quoi? Il y a un problème. On a dit qu'on ramasse l'argent depuis le premier Adar. On va déjà diffuser, depuis le 15 Adar, on commence à ramasser l'argent. Mais pas tout l'argent arrive au Beth Amikdash. Alors moi qui habite à Haïfa, mon émissaire il va mettre 3 semaines pour arriver. Il va arriver au moins, hein, le 8 Nissan, le 10 Nissan. Ou même mieux, ceux qui sont de France, aussi ils vont envoyer le Mahatita Shekel. Ils veulent avoir une part dans les korbanot. Eux, ils en ont pas encore de 6 mois. Alors quoi? Pendant toute cette période-là, le korban qu'on va porter, ils ne vont pas avoir de part à l'intérieur. Bien sûr qu'ils vont avoir une part à l'intérieur. Comment est-ce qu'on va faire? Au moment où le Kohen va partir ramasser, va faire la Troumat à l'Ishka, il va partir ramasser l'argent avec le sou pour dire, avec cet argent, je vais acheter les corbanotes de la prochaine période, pour le prochain mois, on verra plus dans les détails. Eh bien, avec cet argent, je vais le prendre au nom de tout Israël. Au nom de tous les juifs du monde qui ont déjà envoyé leur Mahatit HaShekel. Ou même qui vont même, Shatid Litrom même, c'est même posé dans la Gemara. Même ceux qui n'ont pas encore concrètement envoyé leur argent, je le donne au nom de tout le monde. Donc en quelque sorte, je suis en train de valider que l'argent qui est en route, je le reçois. Du coup, l'émissaire qui était sorti de Haïfa avec toutes les pièces des habitants de Haïfa. Dès qu'à Jérusalem, on va prélever la Troumat Alishka, il s'avère que maintenant, l'émissaire des habitants de Haïfa, il a changé de statut. C'est devenu l'émissaire du Gizbar. Dès lors, je considère que l'argent qui a été envoyé, c'est devenu le mien. C'est devenu le mien. C'est devenu c'est rentré à la caisse du Beth Amikdash. Du coup, dès lors, les habitants de Haïfa ont fini avec leur devoir de donner le Mahatita Shekel. Ils s'en sont acquittés. Le chaliar qui est en route maintenant avec l'argent, c'est plus le chaliar des habitants de Haïfa, c'est maintenant mon chaliar, ça s'appelle un chaliar Kabbalah, c'est un émissaire pour recevoir des gens, pas pour envoyer. Lorsque j'envoie un émissaire pour que vous m'envoyez quelque chose,
Il y a deux solutions. Soit c'est un shaliach holacha, soit c'est un shaliach kabbalah. Soit je vous l'amène pour que, par lui, vous allez m'envoyer l'argent, ou soit je l'envoie pour que lui-même va recevoir l'argent en mon nom. C'est fondamental pour définir. Imaginez que je dois payer une dette. Vous me devez 100 shekels, vous habitez à 5 km. On envoie une personne. Si vous l'envoyez en shaliach holacha, vous l'envoyez en tant que shaliach, en émissaire de vous pour me le porter, toute la route, durant toute la route, l'argent il reste encore dans votre possession et sous votre responsabilité. Si je vous envoie moi un shaliach kabbalah, je suis en train de vous dire que donnez au shaliach et vous vous acquittez par là de votre devoir. Dès lors, c'est le shaliach, c'est mon shaliach. S'il perd l'argent, c'est moi qui ai perdu. Même principe, cette fois-ci, en pleine route, le shaliach il change de statut. Depuis le moment où on va prélever la Tourmat Lishka, on va lever depuis de tout l'argent qui a déjà été récolté, on va récolter, on va ramasser maintenant un seau pour dire avec ça on va porter les korbanot de la prochaine, des prochains jours. Désormais, on considère que tout l'argent qui a été envoyé, il est entré dans la caisse du Beth Amikdash. Donc, tous les habitants d'Israël maintenant sont déjà déchargés de responsabilité. S'il est perdu, c'est le Beth Amikdash qui perd. Selon ce principe, on a une règle que normalement, si l'émissaire du Beth Amikdash perd de l'argent, il n'a aucune obligation de jurer. La Torah elle insiste, Kiten Ish El Reu, Kesef Okelim, Ish El Reu, on déduit sans arrêt, Prat Le Hekdesh. L'argent qui est kadosh, qui se fait perdre, on n'a pas de responsabilité, même si on est fautif. Donc en théorie, il n'y a même pas de devoir de jurer. Malgré tout, la Mishnah va me dire que malgré tout, il faudra jurer au trésorier afin d'engager plus moralement le shaliach à bien garder l'argent, qu'il n'y ait pas d'incident qui pourrait. D'accord, ça l'engage un peu plus le fait de savoir qu'il doit jurer. Ok? On a tout expliqué à l'oral, on fait ça dans les mots. Bnei ha'ir shechalchu et les habitants de la ville qui ont envoyé leur shekel, leur machatzita shekel. Et en route, venignez-vous au she'avdu. Et en route, l'argent il a été volé ou il a été perdu. Alors, imnitrema tourma, si à Jérusalem, au Beth Amikdash, la trouma, on a déjà levé de la caisse, la trouma, ce qu'on doit prélever pour commencer à offrir les korbanot. Donc, entre parenthèses, tous les habitants d'Israël qui ont déjà envoyé leur shekel, le Ekdesh a dit qu'il considère la caisse de la trésorerie du Beth Amikdash a par là exprimé qu'il considère qu'ils ont déjà reçu l'argent. Alors dans ce cas-là, Nishbaïn la Gizbarim, les Shlichim, les émissaires qui ont perdu l'argent, ils devront jurer à qui? Au trésorier du Beth Amikdash. Veimlav, par contre, si la Trouma n'a pas été prélevée pour le moment, oui, donc maintenant ça a été perdu, l'argent il était encore, quel était le possé. En possession de qui ils étaient pour le moment, étaient en possession de tous les habitants d'Israël. On est en l'occurrence de Haïfa, ils étaient dans leur possession pour le moment. De ce fait, Nishbaïn et Bnei Haïr, les émissaires devront jurer aux habitants de la ville qu'ils n'ont pas été fautifs lorsque ça a été perdu. Et dans ce cas-là, au Bnei Haïr, Shoklin Tachtehen. Et les habitants de la ville devront renvoyer une deuxième fois le Machzit HaShekel. Nouvelle situation maintenant, Nimtseou. Finalement, on a retrouvé l'argent. C'est-à-dire, on avait dit, ils sont passés sur le pont, on s'est tombé dans la rivière, et finalement, quand ils repassent la deuxième fois, maintenant les pauvres émissaires, ils viennent une deuxième fois avec leur argent, ils rencontrent qu'en fait, la bourse, elle s'est bloquée sur un rocher. Ils ont deux fois le machatzit ha-shekel de la ville. Il y avait 100 000 habitants, ils ont l'équivalent de 200 000. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 200 000 machatzit ha-shekel. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Alors, ou bien encore, Osher Zur Maganavim, les voleurs ont décidé de faire tchouva. Et lorsque les émissaires sont repassés, au lieu d'aller les dépouiller, ils leur ont rendu tout leur premier argent. Alors quoi? La Mishnah enseigne Elou va Elou Shkalim. On ne va pas dire que, ah super, on va prendre une bourse, on va la donner au Beth Amikdash, et l'autre bourse, on va la rendre aux habitants de la ville. Non! Étant donné que les habitants de la ville l'ont donné pour le Beth Amikdash, c'est devenu Kadosh. Donc les deux sont devenus Kadosh. Les deux ont un statut de Machatzit HaShekel, mais attention. La Mishnah me dit juste une phrase en me disant En Olin Leshana Abba. Mais on va pas pouvoir, ils vont pas pouvoir être considérés comme la cotisation pour l'année d'après. Soit, il y avait 100 000 habitants, il y avait 100 000 machatzit ha-shekel, et maintenant j'ai une deuxième bourse avec 100 000 machatzit ha-shekel. Alors, une des deux bourses, c'est une discussion dans la Gemara, à laquelle des deux? Une des deux bourses doit en arriver maintenant à la trésorerie du Beth Amikdash. Et la deuxième bourse, elle a aussi une gdusha. On va plus la rendre en propriétaire, mais on va pas non plus pouvoir la garder pour l'année d'après, parce que il faut payer chaque année la cotisation annuelle. C'est l'argent de cette année pour les korbanot de cette année. Je ne peux pas cette année te payer pour l'année d'après. Et ça a déjà été kadosh.
Du coup, on va les utiliser pour en faire toutes sortes d'autres destinations de l'argent qu'on découvrira plus tard. Qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'astra.